Bonjour à tous, moi c'est Romain, je vais vous présenter Languages.ai, la solution qui vous permet de vous améliorer en langue partout sur Internet. Alors je vais commencer par la jeunesse de l'histoire. Avec mon associé Alexandre, on est parti en échange universitaire en Turquie, et là-bas j'ai rencontré Marie, la fille que vous voyez à l'écran. Marie, elle est jolie, mais en plus de ça, elle est allemande, et je me suis dit, bah, pour la conquérir, je vais apprendre l'allemand. Du coup, j'ai fait ce que font les gens quand ils veulent apprendre une langue aujourd'hui. J'ai téléchargé des applis, Babel, Duolingo. Et pendant 2 mois, je l'ai fait de manière super assidue. Sauf qu'au bout des 2 mois, j'en avais trop marre de toutes leurs phrases répétitives et un peu bateaux sur lesquelles je tombais. Et apparemment, je n'étais pas le seul. Il y a 9 personnes sur 10 qui abandonnent ce genre d'application avant le 10e jour d'utilisation. Nous, on pense que c'est parce que ce n'est pas assez personnalisé. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lire des articles qui m'intéressaient en allemand. Mais il y avait plein de mots que je ne connaissais pas. J'ouvrais un nouvel onglet, j'allais regarder leur traduction, mais quand je retombais dessus, 3 jours après, j'avais complètement oublié ce qu'ils voulaient dire. C'est pour ça qu'on a créé Languages.ai. Alors comment ça marche? Je suis sur un site internet en train de lire un article qui me plaît dans la langue que j'ai envie d'apprendre. Je tombe sur un mot que je ne connais pas, et je vais juste avoir à faire un double clic pour que mon extension de navigateur me donne la traduction au sein même de ma page, mais surtout me permette de l'enregistrer et me le fasse rentrer dans un processus d'apprentissage. Du coup, maintenant, quand je vais retomber dessus sur le web, les mots que je suis en train d'apprendre, ils vont être surlignés, que ce soit dans ma langue natale ou ma langue d'apprentissage. Et en cliquant dessus, je vais avoir un petit exercice de mémorisation, un rappel de traduction, pour ne plus jamais l'oublier. Aujourd'hui, on le fait sur le vocabulaire, on est en train de le développer aussi sur les règles de grammaire. On a voulu tester un peu l'appétence que les gens pouvaient avoir pour ce genre de projet. Et en 3 mois, on a eu 4000 utilisateurs, dont 2000 qui continuaient à utiliser la solution de manière hebdomadaire. On s'est dit, c'est cool, mais ce serait bien de gagner notre vie. Du coup, on a commencé à le vendre à des organismes, à des établissements d'éducation supérieure, parce qu'on n'était pas organisme de formation, du coup c'était un peu compliqué d'aller voir les entreprises, et ça n'a pas trop mal marché. On l'a vendu à 7 écoles, c'est des contrats qui nous rapportent à peu près 1000 euros par mois par école aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'en avoir vendu à 15 écoles pour la rentrée de septembre. Vous allez me dire, ouais, c'est cool, mais moi je ne suis pas étudiant et j'aimerais quand même utiliser votre solution. Et je vous comprends très bien. Nous aussi on aimerait bien que vous l'utilisiez tous, mais on aimerait bien aussi gagner un peu d'argent pour ça. Et j'ai une super nouvelle pour vous, je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart d'entre vous ont un droit à la formation, et grâce à leur CPF, leur compte personnel de formation, ils vont pouvoir bénéficier de formation, notamment en langue. Mais le problème, c'est que c'est super galère, donc il faut remplir des formulaires, on est dans des méandres administratifs qui n'en finissent plus, et du coup aujourd'hui, 92% des Français n'utilisent pas leur CPF, et c'est bien dommage. Nous, notre idée, c'est vraiment de faciliter la chose pour qu'en 3 minutes, vous ayez votre solution financée et vous puissiez utiliser gratuitement notre produit. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de barrières à l'entrée pour réaliser ça. Ça va nous prendre un petit peu de temps et pas mal d'argent, et du coup on cherche 1,2 million d'euros pour réaliser cette chose. Du coup, si ça vous intéresse, j'ai une cascade, vous me retrouverez. Merci beaucoup.